des nouvelles, des avancées du réseau de Francolon à l'échelle N, c'est de suite. Bonjour et bienvenue dans l'Efmondélisme, prenez plaisir. Bonjour et bienvenue dans LF Modélisme, votre chaîne qui vous parle de modélisme. On se voit aujourd'hui pour les quelques avancées. Rappelez-vous la dernière fois sur le réseau de Francolon à l'échelle N, le réseau que je vous propose de bout en bout depuis le début de sa conception, où et comment se faire plaisir avec un réseau, avec les moyens du bord et un petit peu d'imagination. Voilà, je suis un éternel débutant, je le rappelle à chaque fois, et il faut se faire plaisir avant tout. Se faire de pas mal de scénarios dans sa tête, histoire de trouver une belle osmose. Et le plan, c'est qu'il n'y a pas de plan, justement. On s'est quitté la dernière fois, rappelez-vous, j'avais fait au niveau donc du dépôt, où est-ce que le wagon à benne basculante arrive. On avait commencé un petit peu à garnir, à mettre un petit peu de végétation, etc. Et c'est vrai que dès qu'on arrive et qu'on commence à mettre un petit peu de végétation, ça commence à embellir, ça commence à sentir bon. Là, aujourd'hui, derrière moi, on a commencé, à continuer avec la végétation. On a mis plein d'arbres. Je trouve que c'est très, très, très joli. C'est très fun. Moi, j'aime beaucoup. Ça donne vraiment un bel esprit vert, en tout cas. Je trouve qu'il y a une belle petite nature. Regardez derrière avec la falaise, etc. Je trouve que ça commence à avoir un bon rendu. En tout cas, moi, personnellement, ça me plaît. N'hésitez pas à me dire à vous si ça vous plaît également. Voilà donc la ruine du château avec plein de petits arbres autour. Ça commence à faire sympathique avec la petite table, l'air de pique-nique sympathique. Vous verrez une petite vidéo tout à l'heure, après, à la fin de tout ce que je vous ai énuméré, vous montrant bien l'emplacement des arbres, etc. L'allée centrale avec, regardez derrière où est-ce qu'il y a la pelouse, avec des arbres, pareil. J'ai choisi de mettre ces arbres-là un petit peu de partout, et puis il y en aura d'autres qui viendront se mêler à la végétation, au cadre donc du décor de Francolon, et il y aura plusieurs personnes qui sont assises par ici à pique-niquer, à boire un petit café, j'en sais rien, des scènes de vie après petit à petit vont s'accumuler. Je trouve ça plutôt sympa. Côté dépôt là-bas également, il y a aussi pas mal de petits arbres qui ont été rajoutés pour donner ce côté un petit peu plus vert. Et donc voilà, je trouve que c'est plutôt sympathique. Moi, j'adore la tournure que ça prend. Tout fonctionne bien. Comme je dis, la prochaine fois, je pense que Francolon va descendre s'aménager dans le garage, trouver un bel emplacement histoire de faire tourner avec les coulisses tranquillement, parce que voilà, là ça commence à prendre un petit peu de place dans le salon maintenant, et il est temps à présent de le bouger dans pas longtemps et de commencer à préparer, et vous verrez, il y aura une belle surprise d'annoncer également prochainement, donc restez à l'affût. Ça vaut le coup de patienter, une belle annonce sera faite également sur la chaîne LF Modélisme, et vous comprendrez pourquoi également le réseau va aussi descendre et changer de place, donc tout simplement pour trouver sa place à lui, ou est-ce qu'il fera des heureux à regarder, et vous verrez dans l'annonce prochainement. En attendant, c'est donc tout pour cette fois-ci. C'était vraiment pour vous montrer avec les arbres et tout, moi j'adore personnellement, avec la petite allée. Dans pas longtemps, je pense également mettre un petit terre-plein central pour la séparation de la rue ici, avec d'autres types d'arbres peut-être ici, voilà. Ou peut-être les mêmes, histoire de garder le même ratio, tout simplement. J'allais oublier quelque chose de très important. J'ai mis, et c'est pas terminé, bien entendu, en dessous donc du réseau, hop là, de quoi tout simplement faire plaisir aux yeux, voilà, avec là le dépôt illuminé. Le bâtiment ferroviaire donc du dépôt illuminé. Tout n'est pas encore bien terminé. Il faut que je termine de faire la toiture au-dessus donc de la rotonde pour bien harmoniser avec la LED qui est à l'intérieur. Et c'est plutôt sympa. Donc ça va donner quelque peu de l'ambiance le soir ou quand il y a un petit peu des regards qui veulent regarder tout simplement la locomotive à l'intérieur donc du dépôt, voilà, histoire de se faire plaisir. En tout cas, c'est avec un boîtier pile, histoire
de vous montrer comme la dernière fois les LED comme j'ai équipé de partout, les boîtiers pile LED, tout simplement, on se prend pas la tête, c'est collé en dessous du réseau et puis voilà, ça fonctionne parfaitement. Des piles rechargeables, une seule LED, ça consomme absolument rien, donc il y a le temps de vous revenir. Allez, je vous passe la petite vidéo. Donc voilà pour les nouvelles de cette fois-ci. Je me suis fait plaisir avec un petit peu la décoration avec les arbres et tout. Moi j'aime beaucoup ce petit endroit-là. Il reste plus qu'à mettre des scènes de vie avec pas mal de personnes qui seront là en train de se promener, des gens qui sont en train de pique-niquer sur la table ici, des scènes de vie ici également. Voilà, petit à petit, ça prend tournure, ça prend forme, et moi j'aime ça. Allez, je vous passe la petite vidéo pour vous montrer ce qu'il en est ici, et puis bah, prenez plaisir, moi je vous dis à bientôt pour les progressions du réseau de Francolon. Allez, à bientôt, prenez soin de vous, ciao ciao.